Bon, salut à tous, on se retrouve du coup pour la vidéo avec Franck. Merci d'être là. Du coup, je suis bien impressionné parce que cette vidéo fait partie de la grosse vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, je fais Paris, Marseille en trottinette. Et au jour d'aujourd'hui, bah là, je sais toujours pas si je vais réussir le challenge ou pas parce que t'es la première étape. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, moi je suis dans la trottinette. Franck, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je collectionne et je rassemble toutes les voitures les plus connues du 7e art et de la télévision. Donc là-dedans, vous avez une quarantaine de voitures, qui soient la DeLorean, les voitures de Fast and Furious, de SOS Phantom, enfin tous les trucs que vous pouvez imaginer comme bagnole. Et on permet aux gens d'en profiter sur le circuit. Vous pouvez les conduire sur certaines dates qu'on fait. Et on met sur YouTube plein de vidéos où on les bricole, on les retape, on va les chercher. Et donc voilà, vous avez compris. Moi, je fais de la trottinette, lui, c'est les voitures. On s'est dit... pourquoi pas s'affronter, voir un petit peu si ma trottinette, elle peut battre par exemple au démarrage sur un petit départ arrêté. Est-ce que je m'approche de Fast and Furious. T'imagines? 3, 2, 1, partez! On va vraiment le découvrir ensemble parce qu'on l'a pas testé. Grave, parce que moi c'est de l'électrique, donc en vrai l'électrique ça part d'un coup. Et moi j'ai hâte de vraiment découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On y va. Là il me fait vivre un rêve mec. Je suis fan de voiture, donc ce qu'on va voir à l'intérieur à mon avis ça va être ouf. Attendez. Cette vidéo est sponsorisée par... NordVPN. Qu'est-ce que c'est que NordVPN? C'est très simple, tu vas voir, tu vas même te reconnaître dedans. Si par exemple tu pars dans un autre pays en vacances, tu peux plus voir tes films et séries françaises parce que t'es à l'étranger, tu pourras jouer à tous tes jeux vidéo préférés. Autre exemple aussi, par exemple avec Netflix, si t'es fan par exemple de manga, je sais que par exemple au Japon et en Corée, t'as énormément plus de mangas qu'il n'y a pas en France, donc que tu peux retrouver grâce à NordVPN. Ça te protège tes données et aussi ton ordinateur et ton téléphone parce que c'est disponible sur les deux. Parce que je sais pas si tu sais, mais sur les wifi publics, par exemple dans les trains, dans les avions, dans les aéroports, dans les gares, dans les restaurants, dans les bibliothèque, quand tu te connectes à un wifi public, et bah c'est pas du tout sécurisé. Un hacker, en fait, il a juste à être connecté sur le même wifi que toi, bah c'est foutu, il fait ce qu'il veut de ton ordinateur ou ton téléphone. En plus, vous avez une connexion plus rapide grâce à Nordlynx. Nordlynx. Oui, je suis nul en anglais, y'a quoi? Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. NordVPN ont des serveurs extrêmement rapides. Plus de 5200 dans 59 pays différents. En plus, ils ont été élus meilleur VPN en 2019 et en 2020. J'avoue que c'est même plus rapide que ma trottinette électrique. En gros, c'est avec ton adresse IP de ton téléphone ou ton ordinateur. Et en fait, tu peux te mettre dans un autre pays, on va dire. Par exemple, tu peux te mettre aux États-Unis. Ton téléphone, en fait, ça va être comme si t'étais aux États-Unis. Personne pensera que t'es en France, alors qu'en fait, t'es chez toi, t'es dans ta chambre. Et tout ça, ça va te sécuriser et t'aider à avoir un petit peu tout ce que je t'ai dit juste avant. Grâce au lien que t'as dans la description juste en dessous de la vidéo, si jamais tu cliques dessus, t'auras moins 68% sur ton forfait. Donc, il te reviendra à 3,15€ par mois. Au pire des cas, tu testes parce que t'as 30 jours remboursés. Parce qu'en plus, vous avez le droit à 6 appareils en simultané. Et en plus, grâce à mon lien et mon code promo Scoot de Street, faut que tu rendes aussi ce code Scoot de Street et t'auras ces moins 68% plus un mois gratuit. Donc ça c'est offert, ça c'est cadeau. En tout cas merci à NordVPN car c'est grâce à eux que je peux filmer. Par exemple il y a 2 ans quand je suis parti en tour du monde avec la chaîne, j'utilisais déjà NordVPN. Allez, on se retrouve sur le circuit. Celle-là elle est cool, c'est bah, la première que Paul Walker conduit dans le premier Fast and Furious. C'est pas la vraie du film, celle-là c'est une réplique. Donc celle-ci c'est une réplique. Ouais, c'est ce que tu me disais du coup, c'est que t'as des répliques et t'as aussi des les originales. Le pot d'échappement, c'est mon point. On compare ma tête avec le pot d'échappement. Il y a ma voiture, ça fait des années les potes que je veux. Tout le monde sait que c'est ma voiture de rêve. La Skyline Nissan. Oh là là, ça va être magique. Elle est belle. C'est la voiture du 2, là je peux tout vous dire, je peux tout vous raconter sur la Skyline. Oh my god. Franck, un jour si tu t'en sépares, tu m'appelles, je viens. C'est quoi ce bordel? Attends, on a bien entendu là? Avec le démarrage, mec, à l'intérieur, mec, on vibrait. Notre corps, il était en mode bégayance. C'était celle de... Dominique Toretto. Dominique Toretto, voilà, dans Fast and Furious. Mais what? Mais en fait, c'est la voiture originelle du film. Oh, le mec, ouais. Ça, c'est celle du film, ça. Je pensais pas que celle-ci elle rendait aussi bien en vrai. Regardez l'aileron. T'as pas vu l'aileron direct quand il l'a sorti, mec? Wouah! Mec, elle est incroyable. Du coup, c'est cet engin avec lequel je vais affronter Baptiste.
Ces cinq magnifiques voitures juste derrière. Toi, tu penses que c'est qui peut gagner au démarrage? On connaît pas vraiment les specs de ton truc là, mais à mon avis, il y a moyen que ça fume quand même la plupart des bagnoles ici sur 50 mètres. Sur quelques mètres, ouais. Après sur 500 mètres ou 1 km. Mais c'est déjà beau. Tu nous fais un petit récap là de ce qu'il y a juste ici? Alors, comme on a dit tout à l'heure, l'éclipse du numéro 1, réplique de la GTR de Too Fast Too Furious, vrai chargeur du film. La vraie? Qui fait 500 chevaux, ça arrache le bitume, ça fait des burns parce que ça accroche pas trop la route, tu vois. Ouais, c'est trop marrant. C'est probablement même celle qui accélère le plus de toutes, c'est la vraie de Paul Walker de Too Fast Too Furious. Et la plus puissante de toutes, mais pas forcément celle qui accélère le mieux parce qu'elle est en deux roues motrices, on a la Supra qui est la vraie du show Fast and Furious Live qui a duré pendant 1 an et demi. Ces deux-là, c'est des vrais, donc les acteurs sont montés dedans, genre Paul Walker, il est monté dans celle-ci. Et Vin Diesel dans celle-là. Je peux monter dedans? Bah grave, mec. Oh là là, je vais réaliser un rêve. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il est vraiment sympa comme modèle. Hein. On va commencer par du coup le départ arrêté. En vrai, elle pousse hein, quand même. Et là, t'as qu'un seul moteur. Ah ouais, d'accord. Tu penches en avant. Ouais, yes. Fin de gauche. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça donne envie d'essayer plus, mais effectivement, peut-être avec un casque. Je m'attendais pas, je pensais que c'était smooth, mais non, en fait, quand t'appuies, c'est tout de suite, ça part. Ah ouais, non, ça part. Et que la règle est vraiment méchant. Là, t'es en duel. Et là, tu vas voir tout de suite, hein. Tu vas le sortir. Ouais. Voilà. Là, tu vas voir, ça part d'un coup. Hein. C'est génial. Et moi, j'ai quand même envie de voir un petit tour de... Ouais. On se le met? Allez. C'est bon? J'ai calé. Elle cale tout le temps, mais c'est horrible cette bagnole. T'as le temps de serrer ton bazar. C'est utile vraiment ça, là, les grosses ceintures comme ça? Bah, si on se retourne, ouais. Ah merde! Oh, attends, on a rien fait là. Ouais. Digne de Fast and Furious. Je crois qu'il est pas cool, il m'a laissé espérer. En vrai là j'ai cru que t'allais m'avoir parce que au début t'étais... C'est grave au début. Et mais puis moi je voyais que de la fumée qui sortait partout. Je sais, putain j'avance pas. Ah ouais. Ah ouais. Où est-ce qu'on peut se tenir ici? Ah ouais, ok. Oh là là. Ouais. Je pensais que t'allais y aller doucement, je pensais que c'était juste un petit tour en fait. Je pense qu'il faut qu'on essaye la Nissan maintenant. Elle est plus puissante, elle est un peu plus puissante. Viens, on essaye ça. Allez, la Skyline. Il me fait trop peur dans la voiture. 3, 2, 1, partez. Trop beau. Eh, t'as tout donné. Je l'ai jamais lancé comme un, mais elle marche trop bien en fait. Mais ouais, mais elle a poussé de ouf. Ouais. Il s'en bat les couilles. J'ai perdu ma casquette. M'attendais pas à ce qu'elle parte en travers comme ça. J'ai tout donné, mais c'est vrai au que début, c'est quand même... côte à côte, ouais, pendant un petit moment, ouais, c'est vrai qu'on était assez côte à côte, mais après, bon, voilà. En vrai, c'est quand même... Il y a combien de chevaux à l'intérieur? 400. Prendre plus puissant que ça, ça sert à rien, en vrai. Non, je pense qu'on va, par contre, se faire un petit tour avec la Supra, si ça te dit. Ouais, carrément. Tu vois ce que ça donne. Ouais, grave. Ouais, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, parce que en vrai, j'ai jamais fait un tour là-dedans. Ah ouais. J'aime pas ce mouvement là, ça veut dire t'inquiète, je suis prêt. Oh
Ouais, ça va, ouais. Bonhomme, bonhomme. Mec, oh, tu m'as fait kiffer. Merci en tout cas de m'avoir reçu chez toi ici. Bah, grand plaisir. C'était ouf. Quand tu veux, tu reviens et en attendant, je te souhaite bonne route. Merci, ouais, parce que du coup, bah, c'est pas terminé encore. Je dois encore arriver jusqu'à Marseille. Je sais déjà pas sortir. Vous avez les liens de sa chaîne, de son Instagram, tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Franck Malive sur Instagram et Movie Car Central sur YouTube. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 11h11 pour la prochaine vidéo. Ciao. Clique sur la vidéo qui s'affiche juste à gauche pour voir ma dernière vidéo. Paris, Marseille, en trottinette. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Réponse en vidéo. Et juste à droite, tu as une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Et là, le petit rond qui s'affiche, tu peux cliquer dessus aussi, c'est pour t'abonner à ma chaîne YouTube.